Donc, j'ai vraiment souhaité amener cet atelier avec ce qui me caractérise dans l'univers communication quantique, où j'emploie le mot quantique. Donc, on va voir aussi les blessures sous cet aspect-là. Et effectivement, il n'y a peut-être pas qu'une origine, il y en a peut-être plusieurs, et toutes celles-là remontent à une seule. La façon de voir ces blessures, je vais vraiment aller les voir dans la multidimension de qui vous êtes. Et je vais sortir de, justement, cette notion de blessure. Et souvent, on parle d'une blessure par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, mais c'est très souvent des personnes. Vraiment, ce sur quoi je vais appuyer, c'est ce principe qu'à partir de quel moment je peux conscientiser que j'ai créé une situation d'abandon au-delà des faits réels pour m'apporter une expérience et que cette expérience est peut-être là pour faire de moi un humain encore meilleur et encore plus conscient. C'est quand même étrange parce que vous avez deux personnes qui se séparent. Si la femme, par exemple, vient, elle va vivre la trahison. L'homme vient vous voir aussi en séance et lui, il va vivre l'abandon ou il va vivre l'injustice. Alors que finalement, c'est juste la même histoire qui est vue de points de vue différents. Et c'est ça qui m'intéresse hein, quand je prends la sphère que vous connaissez. C'est que pour moi, un point de vue est toujours limité dans un espace-temps. Et que justement, c'est ce qu'on va voir demain, à partir du moment où vous essayez aussi de comprendre le point de vue de l'autre. Alors, c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir avoir l'information de ce que vit l'autre, et c'est pas donné à tout le monde. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit deux humains qui souffrent en s'utilisant l'un l'autre pour apprendre souvent que juste leur chemin d'expérience est terminé. J'ai vécu l'injustice avec eux. Mon père, la question que vous avez à vous poser, c'est est-ce que si mon père était un autre homme, je vivrais aussi l'injustice? Ah tiens, non. Ça veut dire qu'en fait, je suis en train de me créer une blessure d'injustice avec une autorité paternelle. Si on ne développe pas la conscience, c'est souvent un prétexte de s'identifier au statut de victime. Oh, c'est vachement bon, surtout dans la société occidentale aujourd'hui, où quelque part, le statut de victime est valorisé. Et on le voit bien. Pourquoi ? On voit bien que, par exemple, l'État aujourd'hui déresponsabilise les gens. Je veux dire, mais à tout point de vue. Et toutes nos institutions déresponsabilisent les gens. Donc, c'est rigolo parce qu'on repart dans un système finalement patriarcal, mais qui n'est presque plus à l'échelle de la famille, à l'échelle locale, mais qui devient à une échelle nationale et institutionnelle. C'est ce qui me fait dire que ça devrait bientôt s'arrêter. Parce que si maintenant, si nous, en local, on ne le vit plus, mais qu'on commence à l'observer dans les plus hautes sphères de l'État, c'est qu'on est déjà en train de passer dans la dissociation de « Ouh, c'est l'État, mais je ne fais pas partie complètement de l'État ». Vous voyez la paix qui s'installe. La ressource, c'est quoi? C'est justement te mettre en difficulté pour exister par toi-même. Si tu existes par toi-même, dans la prochaine relation, il n'y aura plus de soumission, de suradaptation et d'oubli de toi puisque tu seras toi. Donc, reprends chacune de tes histoires, les plus douloureuses. Qu'est-ce que ça t'a appris en ressources? Est-ce que ça t'a commencé à apprendre à vraiment reconnaître qui tu es? C'est-à-dire une femme, par exemple, qui aime s'occuper des autres. Mais super! J'ai développé mon empathie, l'amour de l'autre, parce que je passe mon temps en plus à me mettre en couple avec des hommes qui ont que des problèmes. On a parlé de la conscience, qui est en fait la dissociation du deux en un, c'est-à-dire que finalement, j'apprends à me regarder presque de l'extérieur, et donc j'existe. Et j'existe comme un être humain. Et dans une dimension systémique, si déjà j'inclus l'autre dans mon espace de ce que je suis en train de vivre, je suis déjà en train de sortir de ma propre souffrance. Donc, la conscience naît de ce que nous sommes en train de jouer plus et moins à deux. Est-ce que vous vous considérez comme une proto-conscience qui a le choix entre souffrir, pas souffrir, vivre la trahison ou pas vivre la trahison, ou d'avoir cette conscience qui est beaucoup plus étendue et de dire, là, aujourd'hui, ouais, je vis un peu plus la trahison avec mon père, ma mère, mon ex et autres. Ouais, c'est bon. Vivez là. Non mais c'est vraiment l'invitation, c'est pas de la... Repassez-vous ce moment là quand ça va pas et entendez Agathe dire oh là là, c'est bon. Non mais
Écoute, Estelle, je l'ai fait parce que j'entendais tellement me dire, mais il faut nettoyer, il faut machin. Puis je me disais, mais non, en fait, qu'est-ce que tu veux que je nettoie? Est-ce que je suis toute seule à vivre chez moi en train de pleurer sur mon sort? Et donc, à un moment, j'ai dit, ben, allez, je vais y aller, je vais me faire plaisir, puis je vais pleurer un bon coup sur le fait que je me suis sentie trahie par un cousin à qui je demandais une info qui me l'a refusée. En étant amené constamment à revenir à nous, 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 on est tous en train de craquer. Et c'est là où on se rend compte qu'on a, en fait, qu'on est on est des consciences qui nous assemblons et qu'on sort de la proto-conscience pour aller vers une conscience étendue. Je vois parfois des femmes, des hommes aussi, hein, quand on parle d'histoire, je leur dis hop, 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 là, vous ne parlez pas de votre histoire. Vous êtes en train de me parler d'une histoire avant vous. Et c'est vraiment, soyez très attentifs quand vous vivez quelque chose, notamment sur la lignée des femmes et pour les hommes dans votre lignée d'hommes, de vérifier que c'est ici et maintenant votre histoire, vous n'êtes pas en train de rejouer une autre histoire. La première chose pour s'extraire d'un système comme celui-là, parce que c'est ça les mots, c'est je m'extrais d'un système, je fais partie d'un système, mais le système ne fait pas partie de moi, c'est d'avoir la conscience que quelque chose est en train de se jouer. Et toi, c'est juste de dire, mais il a le droit de te considérer comme une victime. Mais si toi, tu ne te positionnes pas en victime, il va se passer quelque chose. À partir du moment où tu es conscient de ce qui va se passer chez l'autre et chez toi, ça ne va pas se vivre en fait. Tu vas voir qu'il y a la possibilité du schéma, mais ça ne va pas venir se vivre. Et je crois qu'on n'est pas là pour éviter ou oublier justement, on est plutôt là pour traverser ça. Et c'est parce que tu traverses que tu vas te rendre compte si tu as évolué au niveau de ta conscience, de tes réflexes, etc. ou pas. Si tu évites ou si tu oublies, bah, ça va continuer, quoi. Enfin, ça va continuer parce que ça va toujours être là en bordure. Et je connais des gens qui évitent soigneusement et tu sais ce qui se passe? Et bien, ils se mettent de côté. Et c'est ce qu'on a vu à l'atelier 2. Pour éviter la colère, pour éviter le rejet, je vais m'empêcher d'aimer. Pour éviter le rejet, je vais m'être avec une personne dépressive. Au moins, elle va rester avec moi. Pour éviter le rejet, tu vois, je vais surtout faire en sorte de rester seule toute ma vie. Voilà. Ça, c'est le jeu, tu vois, dont on parlait tout à l'heure. C'est à partir du moment où vous avez l'impression que l'autre vous contrôle, c'est vous le faites pas, vous le faites plus ou moins ou l'air, mais c'est vraiment de dire, c'est parce que moi, je fais le En choix. conscience. Ouais, plus et moins avec lui. Mais pas. Et je vous assure, il y a une perte du contrôle et l'autre le sent. Hein. Il n'arrive pas à mettre la main dessus, il va peut-être s'énerver, etc. Mais il va peut-être partir. Mais l'autre sent qu'à l'intérieur de vous, il n'y a plus de prise de Tu contrôle. gardes ton autonomie, ta souveraineté, comme on dit, Complètement. sans être dans Complètement. le rejet, sans être dans Complètement. la dualité, Et la même, concurrence, et le je, jeu de pouvoir finalement. complètement. Et j'ai envie de te dire, même si tu as un fusil sur la tête, si tu dis, OK, cette histoire, je la vis avec l'autre et finalement, c'est aussi mon choix, il peut se passer des choses étranges. Je préfère pas le vivre. Non, mais vous lirez Sat-Prem qui parle justement de cette dimension-là, où à partir du moment où chez toi, il n'y a plus de colère, il n'y a plus de rejet, il n'y a plus de peur, il n'y a plus rien, tu deviens transparent. Merci Agathe. Alors n'hésitez pas à aller visiter le site communication-quantique.com. Et puis je vous invite également à prendre connaissance des prochains événements sur le site sanava.ca.